fait un total de 12,88 €. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Allez. S'il vous plaît. Ça va, mademoiselle s'est trompée, ça va? Ça arrive à tout le monde de se tromper, oui? Oh là là, les chances sont incroyables. Hein. Fin 2006. T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà? 248 596 €. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies? Je peux faire mieux. Vous avez raté votre bus? Avec ce qu'on paye en impôts locaux, je le prendrai quand ce sera gratuit. Ça vous dirait d'aller boire un verre? Oui. Qui m'a invité à dîner? Non. Bah quoi? Pas rien, mais oublie pas ta carte bleue. Hein. Vous avez des bulots? Une assiette de bulots. Ouais, ça va peut-être faire un petit peu trop une assiette. Vous les faites à l'unité, les bulots? Vous lâchez cette cloche! Je suis votre fille! Que je lui dise quoi? Que son père est la plus grande pince du monde? Je ne peux pas vous loger. 100 € par semaine? Non, c'est gentil, mais... 120 €? 140. Ah oui, quand même. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi? Ben, écolo. Oui, un peu, oui. Pourquoi elle débarque comme ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être simplement apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes quand même bien naïf pour un banquier. Solution que de payer. Quel brutier. François. Oui. J'ai quelque chose à vous demander. C'est divin, mais je cale. Bah, c'est pas grave. Je finirai chez vous. Vous connaissez pas le Dogu Dog ?